cornette au Bolanski. Encore une cornette au Bolanski. Encore, c'est ça. Il y avait déjà deux dans le top 10. Ah oui, il a beaucoup reproduit, très bien reproduit, Cornetto Bolanski, ça on ne peut pas lui reprocher. Nouvelle jument hein, pour Grégory, ça oui, fait pas moi très je longtemps pas, qu'il, je la, le connais qu'il pas la monte, il a récupéré plusieurs chevaux du Haras de Husse justement, notamment Odéol, avec qui il fait des parcours ici aussi. Et avec Greg, on voit toujours de nouveaux chevaux, et ça va en général assez vite, la mise en place entre le cavalier et le cheval. Et donc on démarre sur une Spa. Bon, bah, il nous fait mentir, donc vu que c'est une nouvelle monture... Alors, il n'est pas parti très vite, mais la jument a l'air d'avoir une foulée qui est assez importante. Oui, mais quand même. Bon, ça ne suffira pas pour gagner ce soir. Non, ça, non, on est non, bien non, d'accord. Non. Mais elle saute très très fort. Comme tous les cornettes, elle a l'air très très respectueuse. Et là, donc, on arrive vraiment sur la particularité de la chasse, la butte. La 4 foulées. Et l'auxerre de boulot. Et donc après, on a une option. On peut aller soit sur la ligne à droite ou celle qui est à gauche, selon si votre cheval tourne mieux à droite ou à gauche après le numéro 9. Il y a deux numéros 9. Exactement. Et après, on a le choix entre un vertical et rentrer dans l'eau. Voilà, donc l'option longue. Hein. Voilà, l'option longue, il va à l'extérieur apparemment. Il a pris cette jument pour prendre de l'expérience. Un tour de travail ici. Oui, et puis prendre de l'expérience quand on a un jeune cheval ou un nouveau cheval, c'est toujours bien de pouvoir l'emmener une fois sur le terrain de Genève en espérant l'avoir l'année d'après pour pouvoir monter les plus grosses épreuves et être performant. Parce que c'est quand même une piste très impressionnante. Alors justement, c'est la plus grande piste indoor du monde. Ouais, ouais, on sent, quand les chevaux découvrent cette piste, on les sent un peu émotifs. Très, et un petit peu choqué. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Après, il y a le grand écran. Oui, qui est énorme. C'est même pas un grand écran. C'est un très, très, très grand écran. Et donc, oui, non, entre le lac, l'écran, le public de Genève qui est très chaud. Donc, oui, je pense qu'il y a quand même certains chevaux que ça inquiète un petit peu. Alors, on a pu découvrir les options longues, on va dire, de ce parcours avec Greg. En 81-59 à l'arrivée, et ça risque d'aller déjà un petit peu plus vite maintenant avec Béat Grandjean, Cartoli. Béat Grandjean, cavalier extrêmement expérimenté. Oui, c'est un très très bon cavalier suisse. Il était médaillé au championnat suisse cette année. Et là, il a quelques chevaux vraiment de très bon niveau cette année. On l'a un petit peu moins vu au meilleur niveau. Et puis là, il est bien revenu avec, avec ces chevaux-là, justement. Exactement. Et alors, ce cheval-là, Cartolist, un Holsteiner, 9 ans pour lui, fils de Cartani. Donc, on voit Béat qui part un petit peu dans un rythme un peu plus soutenu que Grégory. Mais c'est aussi pas un cheval très expérimenté pour faire ça. Hein. Qu'est-ce qu'on va chercher chez un cheval pour ce genre d'épreuve, le meilleur cheval pour ce genre d'épreuve? C'est un cheval qui se pose aucune question. Et en même temps respectueux, il faut savoir que pour faire du concours hippique, on demande deux choses contradictoires. On leur demande d'avoir peur des obstacles pour ne pas les toucher et d'être assez brave pour aller les sauter. Ouais. Donc de s'en rapprocher et puis de s'éloigner dans la frappe. Exactement, et de ne pas perdre de la poussée. Donc, et surtout, pour des épreuves comme ça, il faut des chevaux très très réactifs. Très réactifs et très vite au sol. Qui récupère le sol après chaque saut et qui récupère le mouvement en avant très rapidement. Et donc là, on a vu l'inverse pour voilà, donc pour il Béat, prend aussi, il prend aussi qui a changé de vertical numéro 9, mais qui ne va pas dans l'eau. Oui, il ne va pas dans l'eau non plus. La dernière combinaison ici, et cette grande galopade pour aller sur le 13. Un bon tour rapide. Et là, et 72-88 à l'arrivée pour Béat Grandjean. Alors évidemment devant Grégory Watley, mais ça on pouvait s'en douter, sans grande surprise. La particularité aussi, c'est ce dernier obstacle qu'on a vu hier déjà dans le barrage du Grand Prix, du Crédit Suisse Grand Prix, avec cette grande galopade très près comme ça du public et des tribunes. Ça peut effrayer un petit peu les chevaux quand on leur demande d'accélérer ou pas? Non, parce que de toute façon, les chevaux qui vont être vraiment rapides dans l'épreuve et qui vont aller grand galop sur le dernier ont tellement d'expérience que... Et il y a certains chevaux que ça transcende. Hein. Des vrais chevaux de concours qui comprennent vraiment le but du jeu. Et puis là, c'est aussi pour faire du spectacle. Le public est content.
à d'avoir le dernier juste à côté, et puis les chevaux qui vont grand galop, ça c'est aussi très sympa. Bon, alors on espère qu'on va aller encore plus vite maintenant avec Romain Duguay. Il était à votre place hier soir, malheureux hein, dans ce Crédit Suisse Grand Prix, avec 4 points sur le dernier, avec sa corrida très haut. Et vraiment une toute petite faute. Une jument qui a extrêmement bien sauté aussi. Alors pour lui, il va falloir se qualifier pour le Grand Prix de dimanche. Il y aura d'autres occasions demain. Oui, il va la monter dans l'épreuve des combinaisons demain. Et ici, il est avec Ulena Van Ofternellen. C'est parti un peu plus vite. Oui. Romain est déjà un cavalier rapide, et cette jument aussi. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Romain va passer dans l'eau. Oh là là! Il a eu peur d'être trop court en cas de foulée, et il a repris assez fort. Et du coup, après, il s'est retrouvé trop long. Il a dû pousser, la jument s'est décalée à gauche. Alors lui choisit aussi l'option verticale de droite pour tourner à gauche. Ça, c'est bien. Et il va dans l'eau. Hop là! Ça dure pas longtemps le passage dans l'eau, tout va bien? Non, elle le fait très bien. Et c'est très très rapide ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ça c'est dommage. Magnifique. Vraiment dommage, très joli tour. 59,89, on rajoute 4 secondes, ça fait 63 secondes. Et c'est presque 10 secondes de mieux que Béat Grandjean. C'est vraiment dommage. Oui, on voit le ralenti intérieur. Ouais. Bon, là, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est comme ça, dans le feu de l'action. Mais ce qui est bien, c'est que la jument n'a pas été inquiétée du tout. Derrière, elle a retrouvé sa qualité de saut. Oui. Et ça, c'est aussi important. Il a pu continuer et garder sa vitesse. Et c'est une jument qui a déjà fait des derbies dehors, hein, qui a beaucoup d'expérience, qui ne regarde pas du tout tout ce qui est obstacle naturel. Mais finalement, ce sont des épreuves qu'on voit moins aussi. Alors évidemment, en indoor, ce genre d'épreuve avec le lac, avec... Il n'y a aucun indoor qui se prête à ça à cause de la taille de la piste. Mais même en extérieur, les derbies sont devenus de plus en plus rares finalement. Il en reste quelques-uns, des derbies mythiques. Oui. Je veux dire, c'est des épreuves quand même assez difficiles. Il faut des chevaux assez spécifiques pour ça. Et on n'est pas à l'abri aussi d'un accident ou d'une chute. Et comme on disait avant, cette chasse se faisait sans selle avant. Oui. Bon, c'était plus pour le spectacle. C'était très drôle, c'était moins haut, et même elle était déguisée à un moment, donc elle était censée. Allons-y, rajoutons-en. Voilà. Bon, maintenant, voilà, l'évolution du sport a fait que tout le monde est devenu un peu plus sérieux. Et mais ça n'enlève rien au spectacle. Rien du tout. Bon. Ça l'a juste changé. Allez, la Suisse, encore et toujours, avec Niklaus Rucci maintenant. Earls Peris Caro. C'est un cheval suisse. Oui. Alors, Niklaus va essayer. Ça c'est sûr, oui. Et en général, il n'est pas là pour rester trop longtemps sur la piste. Non, c'est un des piliers quand même de l'équipe suisse, et il a quand même quelques chevaux assez expérimentés pour faire ça. Déjà deux billets. C'est un cavalier qui est très rapide aussi. Oui, il ne perd pas de temps. Il est intérieur, la foule est parfaite ici sur ce vertical vert. Il arrive toujours à avoir la première distance, assez normale, sans mettre son cheval à plat. Là, on va voir l'option qu'il va prendre. Et lui aussi, il va tourner à main gauche. Six foulées. Bien. Magnifique. Et toutes les places sortent bien. Oui, oui, oui. Niklaus a un très bon sens du rythme. Et regardez le chrono. Oh, oh. 6 foulées pour lui, une de moins. Magnifique. Magnifique. Et 59,83. Sur des distances comme ça, il ne faut pas hésiter. Faut pas se poser de questions là. Faut pas se poser de questions, faut pousser jusqu'au bout. C'est quoi le risque, c'est quoi? C'est de se dire dans les deux dernières. Non, c'est la fraction de seconde où on hésite, le cheval le sent et il retape. Donc là, et avec la vitesse qu'on a pris. A priori, c'est un bon moyen de faire ce qu'on appelle une georgette en général. Et de faire un petit traversage. Et en tout cas, ça a été parfait, la stratégie de Niklaus Rucci. On nous avait dit qu'il était parti pour aller vite. Et il l'a fait, 59,83. C'est donc le temps à battre. Et ça, c'est vraiment des parcours quand tout se passe comme dans un rêve. Il sort toujours de ses virages dans le mouvement.
et il arrive toujours à prendre la première distance. Et à la fin, il n'a pas vraiment, à part sur le dernier, il n'a pas poussé une fois. Non, 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 il n'y a pas besoin de réfléchir. Non, parce finalement. Qu'il a remis du rythme à chaque réception. C'est le secret, après, finalement, un petit peu maintenant. Puis souvent, ça se passe comme ça. Le secret, c'est la ligne de départ, les réceptions, les sorties de virage et la ligne d'arrivée. Ça a l'air facile, en fait, quand on vous écoute. Oui, quand on le dit, c'est toujours facile. Après, le problème, c'est qu'on n'arrive pas toujours. Allez, Daniel Blumann, maintenant, on quitte la Suisse, on part en Colombie. Avec ce cavalier Cantando Lindgris, Holsteiner, fils de Cassini 1. Hein. Et lui aussi, cavalier très rapide, et il a décidé d'aller chercher le chrono du Suisse. Et non, là on voit un peu moins de fluidité, et il s'est ravisé, refait une foulée. Et là, une deuxième faute. Ça fait déjà 8 secondes de pénalité. Choisis l'option à main droite pour ces deux verticaux. Ouf. Hop là. Voilà. Et voilà. Donc, on a eu les deux. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais depuis le début, il essaye à chaque fois, il se dit ok, il pousse, et puis il se rend compte que ça va pas vraiment pas aller, il se ravise, et voilà, c'est pas assez fluide. Et après, quand on se ravise, alors qu'on a vraiment mis beaucoup d'impulsion, après le cheval sexy devient rigide, on n'a plus de contrôle. Bon, le dernier s'est passé en tout cas, mais il y avait quand même deux fautes, 68-10, troisième place pour l'instant pour le cavalier colombien. Je reste en vie jusqu'à la fin de cette épreuve. Vous aurez de la chance, Marie. Allez, on retourne en Suisse. Larissa. Une toute jeune cavalière. Ouais, une très très bonne cavalière. C'est vraiment un des futurs talents de la Suisse. Elle l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Et son papa a déjà été un très 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 bon cavalier. Sa maman aussi monte en concours. Donc elle a ça dans le sang. Ouais, c'est sa première sélection pour Genève. Et je pense qu'elle va tout donner. Et puis on a vu jusque-là qu'elle l'avait déjà assez mérité, puisqu'elle a fait des beaux parcours dans ce début de concours ici à Paul Expo. Et elle n'a pas l'air intimidée non plus par sa première expérience. Hein. Ah, un petit peu de précipitation. Donc ouais, elle fait une de plus, cette foulée. Évidemment, le cheval de Niklaus Rouchy avait une très grande foulée. Hein. Lui, il a eu 6 foulées toutes normales. Et un très très bon équilibre. Hein. Ouais. Parce qu'il a pu tourner très court derrière aussi. Attention, l'eau, regarde un peu, mais ça passe. On a parfois des surprises dans ce lac. Oui. Certains cavaliers y ont laissé leur pantalon blanc. Oui, Christina Libère. Par exemple. C'était l'année dernière. Oula. Ah, grosse faute sur le dernier. Et oui, 70-96 avec les 8 secondes de pénalité. Oui, mais elle essaye. Elle est là pour prendre de l'expérience. Et voilà, quand on est sélectionné pour le concours de Genève, il faut essayer. Quand on repart de son premier Genève à cet âge-là, à mon avis, oui, le degré d'expérience est monté d'un cran. Oui, ça présage quelque chose de bon pour la vie. Bon, c'est génial pour tous ces jeunes talents de se retrouver aussi avec les plus expérimentés dans les paddocks, de pouvoir regarder tout ce qui se passe. Exactement. Il n'y a pas de secret, ça marche comme ça. Allez, on part maintenant avec bien celui qui était premier ex aequo avec vous, Marie, de l'épreuve des Cibar hier. Carlos Eduardo Mota Ribas, Ronaldo. Alors Carlos aime bien le spectacle. Oh, bah, il nous l'a montré. Il l'a prouvé hier en tentant le record. Là, je pense que... Il s'est pas passé hier sur le record. Non. Mais je pense que lui, c'est pareil. Il va entendre la cloche, il va partir à fond. En général. Déjà, il prend de l'élan. Il part de loin. Il part du bout du terrain. Hop, on commence à accélérer un petit peu le galop. Ouais, un peu d'aérodynamisme avec les oreilles en arrière.
Il est déjà en train de regarder. Ouais, j'allais dire un petit peu trop. Ouais, ça c'est exagéré. De regarder. À trois foulées, il avait déjà la tête rivée sur l'obstacle d'après. Il faut déjà s'occuper de l'obstacle qu'on a devant soi et après tout de suite regarder le suivant. Parce que quand on commence à regarder trop tôt, le cheval va aussi vers là où on va regarder. Il n'y a pas de secret. Ah oui, c'est trop décalé à droite. Et lui, il met une foulée de plus hein, ici aussi. Toute petite foulée ici pour venir sauter ce vertical. Bonne foulée ici en revanche. Ça passe. Oui, là c'est un petit peu exagéré pour rentrer dans un doublet de foulée. Et la foulée sur le dernier est un peu juste aussi. Ouais. Et hop, la main en l'air. Ouais. Ouais, il fait le show quand même. Il fait le show. Oui, il aime bien le spectacle. Allez, 72-54 et c'était pas plus vite. Hein, parce non. que son temps initial c'est 60 secondes. Et donc, Nicolas Cucci était plus vite. Toujours en tête, le Suisse en 59 secondes et 83 centièmes. Et pour l'instant, eh bien, le Brésilien est à la 5e place. Et un seul, pour l'instant, parcours sans pénalité, c'est celui justement du leader, hein, Nicolas Cucci, qui a fait une bonne opération. Après, on a quand même des sérieux clients qui vont arriver. Hein. Oui, il y en a qui aiment bien la vitesse, qui arrivent aussi. Je pense à un certain Martin Fuchs, notamment, qu'on va voir dans quelques instants. Il y a les cavaliers britanniques et irlandais. Patrice Delavaux doit normalement prendre le départ aussi. Alors, je pense qu'il était un petit peu pris par la conférence de presse du top 10, mais il devrait arriver avec Ornella Maille. Mais d'abord, c'est l'Italie qui est sur la piste. Lorenzo De Luca. Avec cette jument suédoise de 10 ans, Caress, une fille de Cardento. Et Lorenzo, en général, il nous a montré qu'il savait lui aussi aller vite. Ouais. Lorenzo aussi, Lorenzo aussi, pour son jeune âge, est un cavalier extraordinaire. Je trouve qu'il a une finesse. Je m'excuse, j'ai mon voisin qui fait des bêtises. Oui, il y a les voisins de nos confrères de la télé suisse qui essaient de perturber Marie. Qui sont ses joueurs. Un cavalier qui est tout jeune, qui a eu sa première expérience aux Jeux mondiaux, lui, cette année, 27 ans seulement. Il a une équitation très fluide, un sens du rythme, il est très fin à cheval. Alors comme ça a l'air moins vite, mais c'est quand même très très rapide ce qu'il est en train de faire. C'est quand même moins vite que Niklos. Ah, il fait 6 foulées aussi. Et la jument saute très bien. Elle n'est pas du tout impressionnée. Un petit peu moins l'instant. Vite au sol, j'ai l'impression quand même. C'est une bonne sauteuse de rivière, celle-là. Elle a fait un petit peu de bruit. Et c'est pas beaucoup moins vite, mais c'est moins vite quand même. 62. Et un centième, eh bien c'est la deuxième place pour Lorenzo De Luca. Et il me disait juste avant, pendant la reconnaissance, que c'était la jument d'un ami. Et après, en rigolant, il m'a dit peut-être que ce ne sera plus mon ami après. Bon, a priori, l'amitié devrait rester. Ça va rester ce soir, en tout cas. Puis on veut bien des amis comme ça. Hein. Très joli parcours. L'Italien, donc, qui vient s'intercaler entre Nicolas Cucci et Romain Duguay. Deux Suisses, toujours sur le podium provisoire. Et on reste encore en Suisse maintenant. Attention. Avec celui qui gagnait la semaine dernière le Grand Prix à Paris, le Grand Prix des Gucci Masters. Donc là, on entend, entend le public. Il y a presque autant de bruit pour Steve Garda, dis donc. Presque. Il s'approche. Ah, il s'approche. À seulement 22 ans, on peut dire que c'est un véritable jeune prodige, Martin Fuchs. Déjà extraordinaire. Champion suisse élite. Il a gagné le Gucci la semaine passée. Des médailles et des titres au championnat d'Europe de jeunes cavaliers. Il a déjà tout d'un grand. Et il avouait au début du concours de Genève qu'il se verrait bien battre Steve Garda ici cette année, justement. On verra dimanche. Et il est ici avec Mighty Driverland. Qui est un cheval très vite, qui gagne beaucoup d'épreuves de vitesse, qui est habitué à ce concours. Malgré son jeune âge, Martine aussi. Ouais. Ah là, il n'a pas perdu de temps. Hein. Six foulées, évidemment. Et même en reprenant. Sixième, toute petite. Très bien.
exprès repris pour pouvoir tourner après. Première distance sortie de virage, ça c'est très vite. Là, 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 là. Hop, une foulée dans l'eau, hop, ça sort tout ça, de c'est... suite. Ouh. Attention, ah, ouais. 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 Attention, il faudrait pas en faire une deuxième. Et il peut peut-être... Non, ce sera trop juste. Oh, c'était... Ouais, c'était très très vite. Ce sera trop juste avec une faute. Il prend quand même la deuxième place avec devant Lorenzo De Luca. Et il est à une seconde pile derrière Klaus Pucci, trois secondes plus vite. C'est un petit peu le risque que dans ce genre d'épreuve. C'est qu'on veut aller de plus en plus vite. C'est que les chevaux vont se chauffer un peu. Le cavalier aussi, un peu plus que le cheval souvent. Et voilà. Là, il avait, vu le chrono qu'il avait, il avait le temps vraiment d'écarter un petit peu plus et de refaire une foulée. Mais bon, un peu d'action. Et puis porté par le public. Exactement. Comme ça, on a envie de le faire. Tellement envie d'aller vite. Et... Bon, l'avantage, c'est qu'ici, les fautes comptent en secondes. Il est allé tellement vite qu'il est donc toujours sur le podium. Deux Suisses en tête pour l'instant. On va voir ce que va faire Vincent Deller maintenant avec Hector X. Et c'est le cheval, oui, qu'il avait dans la Cibar hier soir. Oui. Celui-là. Après, quand on fait le concours de Genève et qu'on ne peut pas participer à la qualification du Grand Prix, oui. Et évidemment le Grand Prix, il faut être polyvalent. Oui, alors là, on n'a pas le choix. Il y a des épreuves très, très diverses, voilà, ici. Exactement. Donc il faut avoir un cheval qui peut faire plusieurs choses. C'est un des rares concours avec un programme comme ça. Et c'est bien parce que ça plaît à tout le monde. Exactement. Ça change un peu. Il est aussi parti. Oui, Vincent Deller, en général, ouais. Bon, il a envie de marquer le coup un petit peu aussi. Hein. Ça cette sera foulée. Quand même moins vite. Ouais. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de cavaliers qui choisissent finalement comme ça cette courbe à main gauche. Hein. Pour rentrer dans l'eau, ça va plus vite. Oh, 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 ouais. Oh, oh, oh. Défense. Attention, il y a du public quand même là-bas. Ouais. Est-ce que ça peut, c'est quoi? Ça va être le saut dans le lac qui va... Le saut dans le lac et puis main droite, sauter dans le lac, de nouveau demi-tour, main droite pour aller dans le double. Je la logique voudrait qu'on tourne à gauche plus facilement, oui. En fait. Oui, oui, parce que là on est un petit peu emmené par la vitesse. Et donc si on tire juste sur l'arène intérieure pour aller encore de nouveau à droite, le cheval se braque un petit, ouais, peu. Ouais, beaucoup un petit peu choqué avec l'eau, tout ça. Et beaucoup de temps perdu évidemment pour Vincent, ouais. Deller ici, 78... 94 ou 78, 94. Alors on voit au ralenti là justement. Alors, on l'attendait un petit peu plus tôt dans cette épreuve, mais il a été retenu certainement par la conférence de presse du top 10. Oui. Le français Patrice Delaveau, deuxième du top 10 il y a. Une heure de cela maintenant avec Lacrimoso HDC. Il est ici avec un autre de ces phénomènes, dans un autre genre, on va dire. Ornella Maille. Ornella Maille HDC, bien sûr. Cette fille de Lando, voilà, dans un autre genre. On vient de, alors pareil, on vient Patrice, la jument est un petit peu caractérielle. Mais Patrice, si ça passe... Ah bah, il peut aller, il peut, oui, aller plus vite. Oui, ah ça, oui, c'est oui, sûr. Beaucoup plus vite. En fait, il ne faut pas lui laisser le temps de monter le dos. Voilà, et donc il faut avancer. Voilà. Mais après, madame a ses humeurs. C'est une dame. Exactement. Mais c'est une très bonne dame. Et puis ils se connaissent maintenant tous les deux. Ils se connaissent par cœur. Par cœur, je pense. Et maintenant, en plus, il l'aménage. Et puis il fait des épreuves un tout petit peu plus petites quand même. Et 5 foulées ici, avec un tout petit saut sur, ouais, la butte. Il est obligé d'en remettre une, lui. Elle a quand même un... Passage de postérieur hors norme. Alors lui, il choisit à main droite. On a l'impression d'être sur la ligne finale d'Auteuil. Oh là là!
Voilà. C'est une dame. Il a pris tellement de vitesse, il a tellement poussé de loin. Après, avec des juments un peu susceptibles, on appelle ça qui colle à la jambe. Ben, plus on met de la jambe, plus ils disent ben non. Et puis, du coup, ça se dérègle un petit peu. Ouais. Faute à l'entrée du double. Ah. Et moins de 70 secondes. On rajoute 4 à 73 secondes et 50 centièmes. Ah oui, elle lui a collé un vrai stop, comme on dit. Je pense qu'on va, ouais, on va revoir ça au ralenti. C'était limite. Heureusement qu'il aurait pu nous faire une Christina Lieber, comme on dit. Exactement. Bon, eh bien, ce ne sera pas pour le français ce soir. Il y aura deux autres chances françaises dans cette épreuve un peu plus tard. Et c'est toujours la Suisse qui domine avec Niklaus Rucci. Et une épreuve qui réussit bien d'ailleurs aux Suisses. Hein. Yannick Ashpronger l'avait gagné l'année dernière, il y a 2 ans, le doublé. Oui. Et Daniel Etter l'avait gagné en 2004. Exactement. Avec Van Gogh. Allez, l'Irlande maintenant. En général, les Irlandais, ils aiment bien ce genre d'épreuve aussi. Oui, une chose est sûre, c'est que je pense que le cheval passe dans le haut. Ah bah. A priori, il a de quoi s'entraîner à la maison, en tout cas, Billy Toomey. Normalement. Avec Art Column Duke. Billy qu'on voit aussi maintenant avec de nouveaux chevaux. Hein, qui ce cheval a très bien sauté hier. Mm. Il était classé dans la 1m45, je crois. C'est un petit cheval assez court sur pattes, on dirait vraiment un poney. Il est un peu taillé poney, ouais. Oui, on dirait un cob. Et il est court ici, ouais, c'est d'action. Bien. Oula. Ça passe. Cette foulée. Main droite pour lui aussi. Un petit peu moins vite ici dans la courbe. 59,83 à battre. Oh, et ben, il va nous faire mentir, non? Oui. Ouais, c'est difficile, hein? Peut mieux faire pour un Irlandais. Il va repasser dans les flaques. Et tout de suite, hein, quand le lac se passe pas très bien, la combinaison qui suit, c'est pareil. Hein. Bah, il y a souvent une faute. Complètement. La combinaison arrive très très vite, hein, collé au lac comme ça. Et 71-65 à l'arrivée. Et la 7ème place à l'arrivée. 59-83, toujours ce temps à battre. Ça va être difficile d'aller chercher Niklaus Rucci, dis donc. Alors, Billy Toomey va laisser sa place à un autre cavalier suisse, lui aussi très très membre habitué de l'équipe suisse de Genève, excellent très cavalier. Très très performant. Et je me demande s'il ne l'a pas gagné déjà, la chasse. Ah bah, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. C'est un cavalier qu'on voit au niveau, après qu'on voit un tout petit peu moins, mais il fait quand même du 3 étoiles, 2 étoiles. Et il a beaucoup de ses chevaux qu'on voit avec d'autres. Hein. Voilà, il vend les chevaux à chaque fois. Et non, il n'a pas encore gagné, lui, cette chasse. Alors, on va voir si ça sera pour cette année. Pourquoi pas ce soir? Très grande action, en tout cas. Ah, faute de postérieur. Oula. Oula. Déréglé. Bon, forcément, on va pas aller chercher le chrono de Niklaus maintenant. Non, là, avec deux fautes, de toute façon. Pas de question sur le lac. Et malheureusement. Troisième faute ici et on arrivera donc en plus de 70 secondes en ajoutant les 12 secondes. Ce ne sera pas pour cette année non plus. Ce ne sera pas pour cette année non plus pour Niklaus Rucci. Pardon, Werner Mouffe. Pour Niklaus Rucci, en revanche, ça a l'air bien parti pour l'instant. En tout cas, allez, il en reste 8-9 à s'élancer.
avec encore des Suisses, des Français, une Américaine, un Irlandais, un Marocain. Attention à lui. Oula, oui. Kedi Rwada a décidé de s'engager dans cette épreuve. Tout est possible. Allez, la France, donc maintenant avec le deuxième Français, Jérôme Hurel. Malheureux hier dans le barrage du Crédit Suisse Grand Prix. Une chute sans gravité pour lui. Et il est ici avec Calypso des Bois. Parce que du coup, il ne s'est pas qualifié pour le Grand Prix. Et lui, il ne s'est pas qualifié. Et voilà. Jérôme a aussi décidé de prendre un peu d'élan de loin. Alors c'est un cheval qu'on connaît un petit peu moins, c'est un cheval d'épreuve intermédiaire, mais encore un très grand cheval avec une grande action. Ouais. Alors avec Jérôme, on voit toujours un petit peu ce genre de chevaux. Ok, Jérôme est vraiment un cavalier exceptionnel. Et puis il peut tout monter, hein. Et il monte tout. Tout monter. Je ne sais pas combien de chevaux il a préparé, emmené à haut niveau. 5 foulées. Un peu de perte de vitesse donc ici hein, sur cette combinaison. Mais relance très bien derrière. Alors, attention au passage du guet. Parfait. Encore une faute ici sur cet Auxerre. Et le chrono est pas mauvais du tout, hein. 61 secondes, 85 plus 4, ça fait 65, 85. Et donc, top 5 pour l'instant pour Jérôme et Calypso des Bois. Je le voyais pas aussi vite, moi. Oh, il a quand même bien serré, et puis surtout, le cheval n'a pas du tout hésité sur l'eau. Ça gagne beaucoup de temps. Ça, c'est vrai que s'il y a du temps à perdre, ça va être ici en grande majorité. Là, on a un sérieux concurrent. Ah bah oui. Et puis les tribunes, évidemment, se réveillent de nouveau pour l'arrivée de Pushfitzer avec Chica's Way. Steve n'est pas engagé dans cette épreuve. Non. Non. Steve, quand Steve rentre en piste, on l'a entendu comme tout si à l'heure. Palexpo s'écroulait. Le sol tremble ici, en général. Le public est en folie. Et on va pouvoir le voir, c'est sûr, demain et dimanche dans le Grand Prix. Oui. Où il remettra son titre en jeu dans ce Grand Prix Rolex. Mais bon, il y a de la concurrence, hein. Les meilleurs sont ici. Il est bien parti. Ça se pose pas de questions, Pius, hein. Ouais, et ça c'est une jument qui a de l'expérience, qui tournait en Allemagne avant. Et on parlait de Werner Mouffe qui en a passé beaucoup, mais... Oui, il en a passé encore plus. Pius, c'est incroyable. Pius, quand il perd un cheval... Il en récupère 3. Qu'un cheval est vendu, on le voit 2 semaines après à la télé en Coupe du Monde avec un cheval que personne ne connaît. Ce qu'on a vu à Lyon notamment. C'est incroyable. Avec Barros. Incroyable. Il a beaucoup de chevaux à la maison. Beaucoup de gens qui lui confient des chevaux. Et attention à cette entrée de très doux, bien fait. Ça passe. Qu'est-ce qu'il a perdu? Une cloche. Ouais, je pense. C'est un petit peu gros pour être un fou. Oh hey, 59-70, c'est plus vite. Limite. C'est plus vite. Il est le nouveau leader de cette grande chasse ici à Genève, Pushfitzer. Et bien ça fait 3 Suisses aux 3 premières places, dis donc. Très joli parcours. Pushfitzer devant Niklaus Pucci et Martin Fuchs à la 3e place. Alors, je pense que ça va faire plaisir ici au public de Palexpo si ça reste comme ça jusqu'à la fin. Ah, Émilie. Alors Émilie, c'est un petit peu comme Martine. C'est une cavalière extraordinaire, une jeune cavalière. Elle n'a pas encore à piquer de chevaux assez expérimentés par rapport au talent qu'elle a. Elle a pour les faire dans tous les, voilà. Les Coupes du Monde ou les Mais Grands Prix. Elle a vraiment le talent. Elle est dans nos écuries. Elle a loué une petite écurie chez nous. Elle a ces chevaux-là. Et elle était en stage chez Kevin. Chez elle Kevin. Avait gagné. Elle avait gagné un concours avec Rolex. Oui, voilà, c'est ça. Et comme plusieurs jeunes talents, et ils se sont dispatchés un petit peu dans les écuries comme ça de cavaliers de Rolex. C'est vraiment une jeune fille qu'il faudra suivre de près. Et en plus, elle est très gentille,
ce qui ne gâche rien. Ouais, et c'est une jument qui est très très vite. Elle a beaucoup gagné avec cette jument. Je lui souhaite vraiment que ça fasse. Une flipper d'elle. Elle a gagné beaucoup. Championnat suisse junior, je ne sais pas combien de fois. Oh. Ouais, des bons résultats en junior, en jeune cave. Jeune cave, elle est balayée championne suisse cette année avec une autre jument. Et ça, c'est une jument très respectueuse. Pas les derniers moyens. Bon, là, avec la vitesse, évidemment. Une faute arrive vite. C'est très bien fait. Hein. Puis elle continue d'avancer. Ça va être intéressant de regarder le chrono à l'arrivée. Voilà, très très grande foulée pour arriver sur le lac. Et on reprend bien. Ça, c'est très très bien fait. Attention, petite foulée, mais bon, ça passe. 61-47, ça fait 65-47. Excellent chrono aussi pour Émilie Stampzi. 6ème place. Et pour l'instant, donc dans le top 8 de cette grande chasse. Et une cavalière qu'il va falloir suivre de toute façon, oui. À coup sûr, dans les mois et les années qui viennent. Et on va rester avec la jante féminine. Dernière chance féminine. Vite Kessler. Pour venir chatouiller un petit peu. On se répète, mais aussi une concurrente sérieuse. Désolé, hein. Tout le monde est sérieux ici. Hein. Elle était troisième l'année dernière de cette grande chasse. Reed est déjà une cavalière vraiment avec beaucoup beaucoup de talent. Et en plus, elle s'est entraînée longtemps avec Katie Monan. Donc Katie Monan, il faut savoir qu'elle donne beaucoup de pêche, beaucoup de punch. En général. Et pas le temps de réfléchir. Non, en général, mais même quand elle montait d'ailleurs. Hein. Exactement. Et les gens qu'elle entraîne, elle en fait vraiment des champions. Et maintenant, Reed est passé du système Cathy Monan au système Marcus Henning. Marcus Henning. Alors c'est vrai que si elle arrive à mettre les deux en même temps. Et la jument que monte Reed, Silana, c'est moi qui lui ai vendu, c'était ma jument avant. Sa jument de Grand Prix. Exactement. Et avec laquelle elle était juste devant vous à Calgary. Exactement. Elle était deuxième. Donc j'avais quand même troisième. Le cheval que j'avais vendu qui était deuxième et moi troisième. Bon, c'est pas mal. C'est déjà une bonne petite satisfaction pour repartir du Canada, ça. Bonne publicité. Et ici, elle est avec une autre jument rapide, un Soria de l'Obstination, elle aussi, on l'a déjà vue en Belgique. Un petit peu près du là. Ce qu'on disait hier en voyant Reed Kessler, c'est qu'elle a gardé des traces du système Cathy Prudent avec cette montre très en avant. Et elle a mixé un petit peu, elle se rassied plus dans sa selle. Elle s'est beaucoup redressée, elle était un petit peu perdue à un moment. C'est pas facile de changer de système comme ça. C'est une grosse différence. Alors maintenant, elle a pris assez de maturité pour prendre ce qu'elle avait à prendre et ne pas tout changer, mais c'est vrai qu'on a senti quelques semaines un petit peu de flottement où elle a eu un peu moins de réussite pendant quelques temps, un pas en arrière pour en refaire deux ou trois en avant. Et puis elle aussi, de toute façon, elle a encore le temps devant elle et elle aura, c'est sûr, d'autres succès. 65-30 à l'arrivée, juste devant Émilie Stampfli, donc la 6ème place pour Reed Kessler. Donc la victoire ce soir sera masculine. C'est la seule certitude qu'on peut vous donner pour l'instant. Peut-être suisse, mais peut-être irlandaise. Puisque voilà un autre cavalier qui ne traîne pas en route. Alors non, Cameron ne traîne pas en route. Ce cheval-là est un très bon cheval. Ça n'est pas, pas un plus cheval rapide. Très vite. Non. C'est pas le plus rapide. Je ne pense pas. Il peut perdre un petit peu de temps en l'air. Il peut perdre un petit peu de temps au sol aussi. Ouais, voilà, il n'a pas une foulée très, très rapide. On va voir ce que va faire donc Newton du Hautbois, celle français par Cumano. Encore un Cumano en N. Il y en a plusieurs qui sont évidemment très très repérés. Un cheval qui a des moyens, c'est évident, mais c'est sûr que ça va un petit peu moins vite en l'air. Ouais, mais ça, c'est quand braqué. Même bien, bien fait. Ouais. Malheureusement, voilà, c'est un cheval qui n'a pas l'habitude d'être poussé un petit peu plus en avant. Et du coup, Perd un peu ses repères. Ouais, ça dérègle un peu plus vite. Dès qu'on le sort de son rythme. Cameron qui tourne quand même tout de suite en réception.
Alors voilà, ça c'est un vrai cheval irlandais. Et le chrono est quand même très bon, regardez-moi ça. Il n'hésite pas. Il est beaucoup plus vite. Très très vite. Il est très vite, ah, 57-82. Oui. Il a réussi à prendre un grand braquet, vraiment, il a une foulée immense. Je dois dire, il l'a rendu quand même plus rapide aussi. Hein. Ah oui, moi je l'ai connu moins vite que ça, ce cheval-là. On est d'accord. Complètement. Marie ne vous ment pas, je vous jure. Je ne raconte pas de bêtises. Et il est juste derrière Martin Fuchs, quatrième place pour l'Irlandais. Donc toujours le trio suisse en tête, Piu Schwitzer, Niklaus Rucci, Martin Fuchs. Et attention à la fusée marocaine, Abdelkebir Wadar avec Cordano Silk Z. Il a gagné la deuxième épreuve hier avec ce cheval-là. Déjà une victoire pour lui. Alors on parlait de cavalier qui parfois se chauffe un peu. C'est parfois le cas de Kebir. On ne sait pas ce qu'il va faire. On ne sait pas ce qu'il va faire. S'il faut enlever des foulées, Kebir, c'est pareil. Il aime le spectacle, il aime le show. C'est un cavalier adoré du public aussi. Et il peut aller très 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 vite. Mais des fois, il se chauffe un petit peu trop. Un petit peu trop. Et on l'a vu encore hier au barrage du Grand Prix aussi. Ouais. Hein, que sixième, alors qu'il avait pris la tête après son passage. Bon, ça allait vraiment très très vite le barrage hier. C'était incroyable. Bon, avec 23 barragistes, c'était... Mais Kebir qui a le sourire, qui s'attendait à ce genre de choses. On s'est croisés tout à l'heure. C'est aussi la première fois qu'il vient... à Genève. Il était là l'année dernière, mais il n'avait pas fait ce cheval. Et puis il n'avait pas fait cette épreuve-là non plus. Et il m'avait dit le cheval ne connaît pas du tout tout ça. Donc le lac, on va bien voir. Et puis même la butte ou les obstacles qui sortent un peu de l'ordinaire, ça peut peut-être l'intimider un tout petit peu. Ce fils de Carthago. Du coup, il va même pas dans l'eau. Petit joueur. Ouais, on lui dira tout à l'heure. Non, toi tu lui diras. Bon, je lui dirai. Non mais après je peux comprendre, je veux dire, après l'épreuve, elle est finie et il y a encore 2 jours de concours. Et le cheval va évidemment retourner. Si le lac se passe mal, c'est possible qu'après le cheval veuille plus approcher un obstacle à côté du lac. Et de toute façon, il y a des obstacles tout le temps à côté du lac. Ça fait partie du jeu à Genève. Donc, il a eu bien raison de faire comme ça. Ouais, regardez le refus et... Et en tout cas, une bonne expérience, je pense, pour ce cheval, de faire ce genre d'épreuve aussi, pour lui donner un petit peu plus de métier sur ce genre d'épreuve et la vitesse. Bronislav. Choudiba pour la Slovaquie. C'est alias Broni, parce que donc il est en Suisse. Et c'est le cavalier de Tina Paul, qui était la propriétaire de Peu à Peu, le cheval de Grand Prix de Daniel. Exactement. Et Tina a décidé de prendre un cavalier à la maison. Et donc c'est la première fois pour Broni qui vient à Genève. Voilà. Et il a eu un très bon concours au Gucci, il a fait 2 étoiles. Et il était notamment classé 2 fois avec la sœur de l'admirable. Parce que mon mari avait fait l'acquisition à 6 ans de la sœur de l'admirable, qui est donc maintenant un jument de Tina Paul. Donc finalement on ne se trompe pas trop dans les choix de chevaux dans vos écuries. On essaye. Ça a l'air de bien marcher. C'est notre métier. Alors on va voir ce que va faire le cavalier slovaque pour sa première participation ici à Genève. Si je m'amuse, il était aussi au Jeux Mondiaux. Dans l'équipe, il y avait une équipe slovaque, ils étaient 3 je crois. Hein. Beaucoup d'expérience de prise cette année pour Exactement. Bronislav. Exactement. Il a pris beaucoup d'expérience cette année. Et c'est un très bon cavalier. Et en tout cas, ça se passe très très bien ici pour l'instant. Pareil, il ne faut pas qu'il se chauffe trop. Il s'excite un petit peu... Là, il est déjà assez vite. Oui, voilà. Il ne faut pas qu'il exagère trop pour le double. Et c'est maintenant qu'il faut se calmer. Et c'est pas mal. Et ça passe. C'est tout juste, mais ça passe. Là aussi. Et cette foulée... Il avait les 6. Hein. Il avait les 6, mais ouais. Il s'est ravisé. Dommage. Bon, il a fait un bon parcours. Et 71-07 à l'arrivée. C'était ce qui est affiché sur l'écran, mais ça me paraît un peu lent, moi, 71 secondes. C'est justement ce que j'étais en train de regarder
Et on n'a pas encore du coup son classement nous sur notre écran. 75, ça me paraît beaucoup trop là. Non. Sur l'écran géant de la piste, on a 75. Est-ce qu'il y aurait deux fautes, une faute qu'on n'a pas vue? Non, parce que c'est marqué 4. Donc ça me paraît... peut-être que ça va changer, on va regarder. Bon, c'était pas suffisant pour être dans le top 3, en tout cas c'est sûr. Mais 75, ça me paraît beaucoup trop. Oui, je crois pas non plus. Pas traîner en route à ce point-là. Il y a un petit problème. La Suisse, au départ avec la dernière cartouche suisse. Paul Esterman, 5e hier du Crédit Suisse Grand Prix avec sa jument de tête. Castlefield Eclipse. Extraordinaire cette jument. Ouais. Et il est ici avec Maloubet du Temple, fils de Baloubet du Rouet, comme son nom l'indique. Étalon, sel français. Donc ça, c'est un cheval aussi qui tourne depuis longtemps, qui a de l'expérience. Et puis qui fait des bonnes épreuves aussi. Hein. Oui, oui, oui. Et qui ressemble beaucoup à son père. Est-ce qu'il va tout tenter, Paul Esterman? Ça n'a pas l'air. Tout tenter, ça n'a pas l'air. Mais après, ce qui est difficile à Genève, c'est qu'il y a 4 jours de concours avec des épreuves un petit peu spéciales. Mais les chevaux demain vont certainement sauter des épreuves plus classiques. On a très souvent des changements de plan, en fait, ici. Il faut toujours partir avec le plan A, le plan B. Parce que ça peut. Voir C ou D, d'ailleurs. Oui, ça peut très vite finir plus loin que D, même. Et une faute hein, déjà sur ce vertical numéro 9. Hop, cheval qui sort de l'eau assez rapidement. Ouais, le double, ça passe. Et six foulées alors que c'est très très long et un peu trop long là. Six foulées hésitantes. 61 secondes, 78, 69 donc. À l'arrivée pour Paul Esterman et Maloubet du Temple. Eh bien, toujours Piuschwitzer en tête devant Niklaus Rucci, Martin Fuchs est troisième. Et il ne reste qu'une seule cartouche maintenant. C'est vrai. Au départ de cette grande chasse. Alors pour la France, mais c'est un cavalier qui lui aussi habite et travaille en Suisse. Séverin Hillerot avec Kerenat Prix. Oui. Et Séverin, pareil, il a fait une très très bonne année. Il était aussi au championnat de France. Il travaille donc pour un marchand très connu, Jean-Baptiste Alouta. Et donc il bénéficie d'un très bon piqué, c'est un très bon cavalier. Et là, nous, du côté suisse, vous le connaissez depuis plus longtemps que nous, finalement. Exactement, exactement. Nous, on l'a vu arriver au championnat de France. C'est vrai qu'il est en Suisse, mais qui est un Français, toujours Français. Pas comme Romain et moi. Oui, bon, c'est pas grave, on vous en veut pas non plus. Merci, c'est gentil. Et oui, ça fait un moment qu'il est en Suisse, c'est vrai. Et il a pris énormément d'expérience. Énormément, c'est un très très bon cavalier, il faudra compter dessus à l'avenir. Encore un jeune talent. Et cette jument qui est Renate Preuilly, c'est une fille de pure graffe. Va-t-il pouvoir déloger le trio suisse? On va le savoir dans une bonne minute maintenant. En tout cas, il va essayer. Premier 5 étoiles pour lui. Hein, ouais. Ici à Genève. Il avait déjà monté les épreuves du Medium Tour. Donc la jument a l'air assez respectueuse, elle a l'air de se retenir un petit peu. On va voir déjà la butte. Non, ça va, il la garde avec lui. Et mais il rajoute une foulée ouais, ici. Ouais, ouais. Elle saute la jument est assez très, haute. Très hein. Bien. Ouais. Ouais. Mais quand même six foulées. Ouais, très bien. Bon virage. Et il va pas dans l'eau. Ouais, donc ouais, elle n'a pas l'expérience. Je pense qu'il a dû essayer le premier jour. On a une warm-up. Ouais. On a peut le droit d'aller le sur le terrain et tester si le lac va ou pas. Et Encore une fois, il y a d'autres épreuves. Et donc, voilà. Pas de lac pour lui ce soir. 65-88, 69-88 à l'arrivée. Donc une 13e place au final. Une 13e place donc définitive. Pour Séverin,
Eh bien, je crois qu'on a vécu ça dans une étape Coupe du Monde il n'y a pas longtemps. Angelotti, 69-83. Voilà, donc le temps de Bronislav Chudiba pour qui a été rectifié, 69-83 avec la faute, ça nous paraît un petit peu plus logique. Exactement. Et donc il est 12e juste devant Séverin Hillerot. Alors le triplé suisse, on l'a vécu en étape Coupe du Monde à Helsinki. Et on le revit ce soir dans cette grande chasse. Ils sont forts, ces Suisses. Bon, encore une fois, une belle épreuve remportée donc par Piu Schwitzer devant Niklaus Rucci, Martin Fuchs. Et ça s'est joué en à peine plus d'une seconde entre les trois premiers. Donc, on ne vous avait pas menti, il fallait aller vite ce soir. Et le spectacle a été largement assuré. Marie, quand est-ce qu'on vous retrouve, vous, sur la piste? Alors, demain, pour la tournante des chevaux suisses. Très bien. 4 chevaux de 7 ans. Ouais. Que je ne connais pas. Ce sont des chevaux que... Enfin que si, que j'ai déjà vu en concours, mais que je n'ai jamais monté. Vous n'avez pas monté. D'accord. Donc ça, et après la grosse épreuve. Donc pas l'épreuve des combinaisons, mais l'épreuve qui sera en début de soir. Non, parce que alors je fais le choix, judicieux ou pas, je ne sais pas, de garder Admirable frais pour dimanche. Il a très bien sauté. C'était pas aussi bien que d'habitude, c'était aussi beaucoup moins monté, beaucoup même moins bien monté que d'habitude. Et donc je vais m'appliquer un peu plus. Très bien. Dimanche, mais je préfère le garder frais. Il est mieux quand il est frais. C'est un cheval que je cours une fois par mois. Ouais. Avec l'expérience qu'il a, la qualité qu'il a, il faut juste qu'il ait envie. Vendredi, il n'était pas comme d'habitude. Et voilà, quand on connaît un cheval par cœur et qu'on le sent pas dans des dispositions optimales, c'est vrai que c'est un petit peu stressant, un peu déstabilisant. Bon, eh bien on verra ça en tout cas pour dimanche. Il y aura un petit travail quand même sur le plat évidemment demain et une sortie et tout ça. Oui, messieurs. Ça, on en est sûr. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce soir, ça nous a fait très plaisir. Si vous ne montez pas l'épreuve des combinaisons et si vous avez envie d'en faire un bout avec moi, vous êtes la bienvenue. C'est gentil. Je vous laisse réfléchir, vous me direz ça demain. D'accord. Comme vous voulez, si vous me donnez la réponse maintenant, c'est très bien aussi. Il faut que je regarde un petit peu mon programme. Vous n'êtes pas toute seule, je vous ai dit, il y a Daniel qui est là. J'ai mon fils et j'ai aussi l'épreuve du relais entraîné. Bon, donc on verra le programme. Si jamais, en tout cas, vous pouvez venir nous voir, ce sera avec grand plaisir. Bonne soirée à vous. Merci, à vous. Peut-être aussi. À demain, sinon à dimanche, en piste sur le Grand Prix. Bonne soirée aussi à vous qui nous avez regardé. J'espère que ça vous a plu. Deuxième journée de compétition ici sur le 54e CHI de Genève qui s'achève. Et on se retrouve demain pour l'épreuve des combinaisons. Elle est à 13h30. Et puis on se verra aussi le soir pour une toute nouvelle épreuve ici, le Cross Indoor. Les cavaliers de concours complet sont arrivés. Ils sont impatients de fouler cette piste à Genève. Et là aussi, ça nous promet du très très beau sport. Très bonne soirée et à demain. Ciao. Au revoir.
Place. Il revient un petit peu suisse, mais il remet tout de même avec Newton Léopard.
Pour les États-Unis, l'Amérique à la 7e place avec Sorella de la Fondation et les 3e de l'an passé, Reed Kessler. Et la 8e place avec Nikita Gulio pour la Suisse, elle fait partie de la Eurovision Academy soutenue par Rolex, notre gagne amitié de Kamala qui sont ici. Thank you.